Waouh! Contrac. Go, Subtago. Godessark. Subgorak. Contrac. 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 Salut à tous. Alors, aujourd'hui, c'est Shrug. Voilà, toujours avec Alter à 16 kilos. Voilà. Donc, disque de 5 kilos. 2 1. Donc ça fait 7 kilos, 2 fois 7, 14, plus la barre à 2 kilos. Voilà. Voilà, donc, bon, eh bien, précédemment, donc c'était... C'était deux séries. Là, je vais en faire trois. Voilà. Voilà. Puis, par la suite, 4, 5 et 6. Toujours série de 15. Voilà. Donc, jusqu'à 6 séries à 16 kilos. Et après, je recommencerai le cycle. Mais en ajoutant du poids à l'haltère. Voilà. Donc là, je prends le temps donc des pauses entre chaque série. Hein. Voilà. Donc, avec un minimum de 3 minutes pour pouvoir bien récupérer. Voilà, et donc, je parle, je te parle, je vous parle pour meubler ce temps, remplir ce temps. Voilà. Mais avec le vaste, très vaste programme même de la compagnie Godessark, il y a de quoi dire. Voilà. Entre les petits, moyens et grands navires
donc que impliquera cette compagnie entre les différents types de navigation, de croisière, différents types donc aussi de grandes navigations épreuves autour du monde. Avec l'Astago lors de la première phase, la Sub-Tago, c'est à l'origine, elle s'appelait l'Astago, mais après le nom, le sigle a évolué. La Sub-Tago et pour la seconde phase, la Sub-Gorak. Ah ben ça y est, les 3 minutes sont déjà passées. Allez, je reprends la deuxième série. Oui, donc avec ce vaste programme, eh bien, il y a énormément de sujets à aborder, à évoquer, à développer. Voilà. Et donc, ben notamment, pour ces aventures sportives autour du monde. Donc, lors de la SUP Tago et la seconde phase de la SUP Gorak, donc grande course, aventure, pèlerinage autour du monde. Il y aura bien sûr tout l'aspect sportif, nautique, évidemment. Voilà, vu que ce tour du monde, cette grande course internationale, se fera donc à la force des bras et des jambes. Non-stop autour du monde. Via les océans, l'océan mondial. Voilà. Et il y aura aussi, enfin désormais, maintenant, je vais aussi évoquer donc la question nutritionnelle. Bon, ça fait déjà longtemps que j'en parle. Donc, de la nourriture, hein, qui est une playlist. Donc, au sujet de la nourriture.
Voilà. Mais là, je vais aborder de façon plus précise. Voilà, c'est-à-dire que là, je vais créer une nouvelle playlist donc pour parler donc de la nourriture de façon plus précise. Et là, désormais, donc pour ce qui est de l'élaboration donc de pain et de casse-croûte. Voilà. Donc le faire moi-même, le faire façon maison, de façon à ce que je puisse faire un produit, me faire un produit, trouver quelque chose de plus en adéquation que ce que je trouve sur le marché, en adéquation par rapport donc à la dépense physique, énergétique que je fais. Donc avec la prépa, donc pour la Sup Tago et la Sup Gorac. Voilà. Prépa donc dans le cadre eh bien, objectif 100 000 pour le côté workout et objectif 1020 km donc pour le côté sport nautique. Voilà. Côté qui est directement en rapport donc avec donc la Sup Tago et Sup Gorac en question. Voilà. Évidemment. Voilà. Et ben voilà, les 3 minutes sont déjà passées largement. Allez, troisième série. Plus. C'était Ulrich.